Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 2 au 8 septembre 2024 et j'accueille les balances. J'espère que vous allez bien amis balance. On débute cette guidance avec un petit message de la lune d'un point de vue général. Et puis, merci de votre bon discernement, les amis. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Comme vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. N'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Merci aussi, les amis, pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci aussi de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude infinie, les amis. Merci du fond du cœur pour votre confiance et votre fidélité. C'est parti avec le petit message de la lune. Ben là, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour nos amis balance, s'il vous plaît, un petit message pour les accompagner durant cette semaine du 2 au 8 septembre 2024. Allez, un petit message conseil, s'il vous plaît, pour nos balances. S'il vous plaît. Un petit message pour nos amis balance, pour les accompagner sur cette semaine du 2 au 8 septembre. Ouh, superbe! Regardez les balances, on vous dit que la chance est avec vous, les amis. Alors, je vais vous lire le petit message. Page 58. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques. Mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon. Si cela fait partie de vos plans, mais son message principal indique un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision au monde. On vous dit aussi « comptez vos bienfaits ». Littéralement, écrivez-les ou dites-les à haute voix. Bon, en tout cas, la chance est avec vous. Très beau présage pour vous, mes petites balances. Allez, c'est parti avec le fairy glow. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et financier concernant une situation, une problématique dans laquelle vous vous trouvez. Allez, matériel et financier pour nos balances. Cette semaine du 2 au 8 septembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Matériel financier pour nos balances. Semaine du 2 au 8 septembre. Oups là! Alors, j'ai la lettre. Waouh! Bon, bah là, les amis, hein. On parle que concernant un document, des papiers, concernant un dossier, vous voyez, tout ce qui concerne l'administratif, eh bien, regardez, moi, on me parle d'une signature, on me parle d'un accord. Vous allez en avoir des nouvelles. Bon, ben, ça commence plutôt bien, les petites balances, hein. Allez. Waouh, elle a voulu sortir. Regardez-moi ça. Succès, bonheur, triomphe. Waouh, 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 waouh. Eh oui, on vous dit bien, hein, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile. Là, il y a un vœu qui est exaucé, hein, complètement. Hein. Ouais, j'ai la libération. Par rapport à de l'administratif, il y a une libération. Hein. On vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. Hein. Bon, super, mes amis. Allez.
J'ai le jardin. Le jardin peut me parler d'un rendez-vous. Un rendez-vous, un entretien. Ça peut être au niveau établissement social, public, voyez comme ça résonne. Ouais, ça concerne des querelles, des conflits. Ouais, on parle d'obstacles, de difficultés hein, pour un consultant ou à cause d'un homme. Hein. J'ai la tour, le cœur, les nuages et j'ai la lune. Alors, effectivement, hein, on me dit que concernant de l'administratif, ça peut être aussi par rapport à une banque, un organisme de crédit. Au niveau matériel, si on est sur de l'immobilier, ça peut me parler d'une agence immobilière. Enfin, voyez tout ce qui a attrait à des papiers, des documents, des dossiers. D'accord? On peut me parler concernant quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que vous êtes dans l'incertitude et la confusion. Vous êtes dans le flou. Hein. Bon, on me dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. D'accord? Avec la carte de la Lune. En tout cas, ben oui, on a beaucoup d'émotions. Pourquoi? Ben parce qu'on me parle d'un succès, d'un triomphe. Là, vous allez retrouver du positif. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le soleil? Eh oui, alors on peut me parler d'un triomphe, d'un succès pour un consultant du signe Balance ou grâce à un homme. Hein. Voyez comme ça résonne. Hein. Allez, avec le cœur et les nuages, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Hein. Excusez-moi pour le bruit dehors. Oh, superbe, regardez-moi ça. Ben oui, il y a une solution, il y a une réussite hein, avec la carte de la clé là. D'accord? Alors, ça peut nous parler de la clé d'une maison qui vous tient à cœur, peut-être. Hein? Voyez comme ça résonne pour vous. Hein? En tout cas, c'est une carte très positive. Hein? D'accord? Alors, effectivement, ça peut parler d'une solution financière concernant une somme d'argent assez importante. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour? Avec la tour, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Eh bien oui, hein. Là, il y a, vous apprenez quelque chose. Hein. Là, ça y est, vous allez vous découvrir quelque chose, en fait. Hein. Là, c'est la découverte. C'est peut-être que justement, vous attendiez des informations. Hein, et là, ça y est, ça arrive. Hein, d'accord? Allez, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose qui vous est révélé là, qui va être pour moi une réussite. Hein. C'est extrêmement positif avec la carte de la clé. Hein. C'est vraiment une solution pour vous. Hein. Oups là! Eh ouais, j'ai le renouveau. J'ai le renouveau avec la carte de l'enfant. Hein. Ouais, on me parle de renouveau. Alors, on peut me parler. Hein, ça peut être grâce à une opportunité de travail concernant une femme. Voyez comme ça résonne hein, pour vous. Hein. Mais là, j'ai un renouveau et ça va vraiment vous plonger dans les émotions. Hein. Bon, bah, écoutez les amis, hein, hâte d'avoir vos petits retours. Hein. Allez. Au niveau professionnel, les activités, qu'est-ce qui vient vers vous cette fois-ci? Toujours sur la période du 2 au 8 septembre 2024. Allez, pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Au domaine professionnel, hein, que vous soyez en activité ou non, les amis, hein, peut-être êtes-vous en recherche d'emploi, peut-être attendez-vous la signature d'un contrat, on va aller voir tout ça. Hein. Sinon, ça peut nous parler de vos activités aussi, hein, vos activités, ce sont vos projets aussi, les projets que vous voulez voir se réaliser, bien entendu. On a le carrefour et on a la victoire. Bah, écoutez les amis,
Waouh, waouh. Bon, ben là, il y en a, hein, ça va vraiment être une victoire. Vous allez célébrer ça. Hein. Vous allez célébrer une victoire. Hein. Ouais. On peut me parler par rapport à un choix, une décision, des possibilités qui se sont, voilà, qui s'offrent à vous, hein, tout simplement. Hein. Ben, on me dit, c'est une victoire, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Bon, ben, écoutez, les amis, hein. Allez. Oups, je l'ai vu, pardon. Allez, on continue. On a le bouclier. Donc là, il est question de se protéger, hein, grâce à un accord, des compromis, des négociations. Hein. Pour du renouveau ou par rapport à un enfant, ouais, j'ai les discussions, les échanges, les pourparlers concernant votre lieu d'habitation. Hein, ça peut être par rapport à votre entreprise, votre auto-entreprise pour certains. Pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement de votre foyer, de vos fondations. Hein, et puis, j'ai la famille derrière. Hein, donc, on me parle d'une famille qui est très protégée par le divin. Alors, on a le retour. L'amour, le changement, la naissance, l'accusation. Bon. On me dit que là, ça concerne un retour. Peut-être un retour au foyer pour certains, certaines. Pour d'autres, il est question d'un retour sur un ancien poste, retour dans une ancienne entreprise. Hein, voyez comme ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, on me dit que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, là, on me parle d'un changement. La roue est en train de tourner pour vous. Hein. Là, il est question justement d'un projet qui voit le jour avec la carte de la naissance. Pour d'autres, ça peut nous parler par rapport à une naissance. Hein. Vous voyez comme ça résonne, en tout cas pour vous. Hein. Mais on voit aussi que, effectivement, par rapport à votre couple, vous avez peut-être été dans l'accusation. Hein. OK? Alors, vous me direz, hein, comment ça résonne pour vous. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on parle bien d'un choix, d'une décision et que ça va être une victoire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le retour? Qu'est-ce qu'on a avec le retour pour vous? On a l'évolution. Bah, on me dit que c'est en pleine évolution. Hein. De toute façon, voilà, il y a vraiment une évolution pour vous, hein, vers un retour. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le changement et la naissance? Alors, il est peut-être question d'un changement par rapport à une naissance. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? La correspondance. Bon, là, vous allez avoir des nouvelles, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Pour d'autres, il est peut-être question hein, d'un nouveau projet, hein, peut-être de travailler à distance. D'accord? De travailler depuis chez vous. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la carte de la maison. OK? Donc, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'amour? L'amour, ça nous parle de passion. Hein, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a l'argent. Alors, l'argent, on est sur une abondance là. Hein. Il est question peut-être de retrouver une abondance pour un couple, d'accord? Ou en tout cas, une abondance qui vous tient à cœur. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai avec l'accusation? J'ai l'enfant. Bon, on me dit que y a du renouveau là. Il y a du renouveau. Vous allez avoir une correspondance, vous allez avoir des nouvelles là, et il va être question de renouveau. Pour d'autres, on peut me parler que peut-être vous avez été dans l'accusation par rapport à un enfant. Vous voyez comme ça résonne. Hein? On me dit que là, il a été question d'ouvrir les yeux concernant une instabilité hein, et la fatalité. Hein? Ouais, on peut me parler aussi
concernant un mal-être pour une consultante ou à cause d'une femme, hein, au niveau du travail. Bon, moi j'ai quand même avec l'amitié un soutien qui va vous permettre de retrouver une tranquillité, le bonheur et la sérénité. Alors, est-ce que je peux juste avoir encore une carte avec la correspondance? Eh ouais, ça concerne de l'instabilité. On peut me parler d'une instabilité par rapport à des projets qui prennent du temps. Ouais, on parle d'une lenteur, d'une latence, hein, concernant un contrat de travail, concernant peut-être un engagement, des écrits, des signatures, hein. Bon, les amis, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, mais n'oubliez pas que la chance est avec vous. Et puis là, moi, on parle bien d'une victoire pour vous, hein, concernant un choix, peut-être que vous avez fait, une décision que vous avez prise. En tout cas, il y a des possibilités pour d'autres qui s'offrent à vous, hein, qui va vous amener vers une victoire. Hein. D'accord? Allez, on y va pour le domaine sentimental relationnel. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petites balances, au niveau sentimental relationnel? Pour la période du 2 au 8 septembre 2024, quels sont les messages? Dis donc. Allez, pour nos balances, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Alors déjà, avec la carte de la famille, là, on voit que il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Hein. D'accord? J'ai l'impression que votre famille proche influence beaucoup peut-être votre façon de penser, influence peut-être vos décisions. Hein. Hop là. Allez, on va essayer de savoir un petit peu plus, c'est le but. Bon, on a les blessures. Bon, ok. Alors là, effectivement, on parle de blessures. Mais on me dit que vous allez retrouver un souffle d'air frais. Moi, j'ai un déblocage concernant des blessures. Hein. D'accord? Ça va se il y a quelque chose qui va se débloquer, hein, par rapport à ça. Hein. Ouais. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous, ami Balance? Bon, j'ai le rendez-vous en dos de deck. Alors, les secrets. Ok. L'ancrage, les nouvelles, l'espionnage, le break. Bon. Là, on voit clairement que vous avez été dans les secrets. D'où certainement les blessures. Hein. On vous a caché des choses, on a eu des secrets pour vous. Peut-être que vous avez dû faire face à une personne qui ne parle pas, qui ne se livre pas, vous voyez. En tout cas, on me dit que par rapport à ça, il va être question de retrouver des bases solides, il va être question de pouvoir enfin vous ancrer, de vous stabiliser, hein, de retrouver une stabilité, oui, pardon, grâce à des nouvelles. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de savoir, vous allez être dans l'espionnage en fait, hein, d'accord? Vous allez avoir besoin de savoir, concernant un break, si c'est possible, d'avoir de nouveau un rendez-vous. Hein, parce qu'on parle d'un rendez-vous, hein, j'ai les réseaux sociaux, le remède. Donc, est-ce qu'il va être question de trouver une solution par rapport à de la communication via les réseaux sociaux lors d'un rendez-vous. D'accord? Mais là, effectivement, on voit que vous allez être dans l'espionnage, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Ok? Ouais. Il va être question pour vous, hein,
Ben de retrouver des bases solides, de retrouver une stabilité par rapport à un break. Et on me dit que par rapport à des nouvelles, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a avec les news et l'espionnage? Ouais, vous allez avoir besoin de savoir. En fait, suite à des nouvelles que vous allez recevoir, vous allez avoir besoin de savoir s'il est possible de retrouver un certain bien-être. Hein? D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ancrage? Ben oui, hein? On voit que l'autre personne est dans vos pensées. Et il va être question justement de retrouver une stabilité, des bases solides. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le break pour finir? On a le déséquilibre. Ouais. On me dit que, y a une personne qui occupe vos pensées, hein, et il va être question de retrouver du bien-être par rapport à un déséquilibre. Hein. On peut me dire qu'effectivement, il y a eu un break à cause d'un déséquilibre. Hein. Et le déséquilibre, en fait, c'est les secrets, les choses non dites. Alors, on peut me parler de souffrance à cause d'une triangulaire. Hein. On voit que ça a été négatif, mais il va être question de retrouver de la légèreté. Hein. Ouais, on voit de la légèreté avec une personne qui vous manque. Moi, j'ai la complicité. Hein. Donc, vous allez retrouver une complicité lors d'un rendez-vous. Hein. Ouais, d'où le déblocage, hein, je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec l'oracle? La réponse est là, mes petites balances. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos balances qui se trouvent dans cette situation sentimentale. Eh bien, on vous dit, retiens-toi. C'est la carte numéro 39. Alors, je crois que je l'ai eue pour un autre signe. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. Bon, je vous la mets là. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes parce qu'elle est déjà ressortie. Hein. Alors, on vous dit, à travers cette petite phrase, dire la vérité est une bonne chose, mentir en est une mauvaise. Mais se retenir de dire certaines vérités, temporairement ou non, est parfois la meilleure chose si tu sais qu'elles n'apporteront que souffrance et angoisse pour l'autre. Face à une personne que tu apprécies, voire que tu aimes, n'est-il pas préférable de privilégier la loyauté à la vérité quand tu sais qu'elle ne peut faire que du mal? Alors là, pour certains, certaines, on vous, voilà, on vous dit peut-être, retenez-vous, hein, de dire certaines vérités. Hein, pour ne pas faire du mal. Donc, c'est peut-être vous, hein, finalement, là, qui avez des secrets, hein, pour l'autre personne, c'est possible. Hein. Mais moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'espionnage. Donc, on voit que vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. D'accord? Et moi, je pense que c'est par rapport à des choses qu'on ne vous a pas dites. OK, les amis? Bien, en tout cas, j'espère que toutes ces guidances auront résonné pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Merci d'avoir été présent, présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!